Putain, j'ai chaud. Salut les mecs et les miss et bienvenue dans Nightclub Testing. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu sorti en 2008 sur WiiWare. Pour ceux qui ne le savent pas, le WiiWare c'est donc le joli petit nom qu'on donne au jeu dématérialisé de la Wii. Ce jeu n'est autre que Lost Wind, certainement un des meilleurs jeux de la chaîne boutique, développé par Frontier Development. Vous y incarnez Toku, un jeune garçon habitant dans le monde de Mistralis, accompagné de l'esprit du vent Enril. Tous deux doivent s'allier pour combattre Blazar, un dieu corrompu par ses désirs d'être vénéré de tous. Il s'agit d'un jeu d'aventure en 3D, mais sur un plan 2D. Vous dirigez avec le curseur du Nunchuk Toku, et avec le pointeur de la Wiimote Enril. Donc Toku peut sauter automatiquement une fois arrivé en bout de plateforme, un peu à la façon de Link dans Zelda, mais c'est à peu près tout. Il peut tout de même encore effectuer des actions simples telles que tirer un levier, mais ça s'arrête là. Parce que ce qui fait l'originalité du jeu, c'est le pointeur. Car la plupart des actions intéressantes à faire, au final, sont à faire avec Enril. Vous pouvez faire sauter Toku à l'aide du vent, mais vous pouvez aussi résoudre de nombreuses énigmes avec cette technique, comme arroser une plante ou faire tomber un objet. Vous pouvez aussi faire une brise plus précise avec le bouton B. Très utile pour dévier du feu à un endroit précis, ou pour faire planer Toku pendant très longtemps. Même les combats contre les ennemis sont à faire au pointeur. D'ailleurs, un des rares reproches que je ferai au jeu, c'est sa facilité. Pour mourir, il faut quasiment le faire exprès, et pour perdre vos 3 vies, il faut le faire exprès. Après, une des grandes qualités du jeu, c'est son esthétisme. Que ça soit sur le plan purement graphique, parce que oui, pour de la Wii, et spécialement pour un jeu dématérialisé, le jeu est beau, ou le style purement artistique, le style péruvien de l'univers du jeu est particulièrement réussi. Mais la musique y est aussi pour beaucoup pour le charme du jeu, avec une musique très douce qui arrive limite à envoûter le joueur. Et j'ai bien dit une musique, parce qu'il y en a concrètement qu'une seule. Il y a juste celle de l'écran titre et celle des combats, mais la musique que vous entendrez plus des 95%, c'est la musique normale du jeu. Le jeu se déroule un peu à la façon d'un Metroid-like. Dans le sens où le jeu a un monde ouvert découpé en plusieurs zones, le village, la grotte, la montagne avec des chutes d'eau et le vieux village abandonné. Mais surtout vous devez faire pas mal d'allers-retours, et des collectibles sont parfois visibles au début, mais ne sont pourtant pas accessibles, parce qu'il vous faut un nouveau pouvoir que vous n'avez pas encore. Alors il faut aller le chercher de l'autre côté de la map. Et on arrive à une des grandes qualités du jeu, son level design, qui est vraiment excellent. La map du jeu est particulièrement intelligemment construite, et parcourir ce monde est un véritable bonheur. Le dernier point, et il est malheureusement plutôt négatif, c'est la durée de vie, qui est juste de 2 ou 3 heures. Moi, personnellement, j'ai mis 1h47 cette fois-ci. Sinon, le jeu a eu une suite, que je n'ai pas joué d'ailleurs, intitulée Lost Wind 2, Winter of the Melodia. En conclusion, Lost Wind est un excellent jeu, c'est juste tellement dommage que de tels titres ne soient jamais sortis en support physique. Le jour où la chaîne boutique de la Wii cessera son service, ce jeu sera carrément en voie d'extinction. Avec l'ère du dématérialisé qui avance à grands pas, c'est l'avenir de tous les jeux vidéo d'être de simples logiciels avec leur date de péremption. Alors la prochaine fois que vous voulez prendre un jeu dématérialisé, réfléchissez un petit peu au mal que vous pouvez faire à l'avenir du jeu vidéo. Même si dans le cas de Lost Wind, on n'a pas trop le choix.